Ricky Toulengi, joueur d'Athletic Club Kouya Sport, a été transféré pour la première fois le 14-5-2013. Il était transféré à la Las Dragon. Et à ce temps-là, il y avait comme président le colonel Joly Tshibassou qui me regarde, qui connaît le dossier parce que c'est un ami. On avait le secrétaire Aimé Condé à ce temps-là. J'ai transféré Ricky Toulengi pour une saison à Dragon. Le 14-5-2013. Le document est là. Celui qui en a le contraire, qui vienne me voir. Après, quand son contrat était fini à Dragon, une saison après, j'ai reçu l'ami qui m'a appelé au téléphone, Santos Mutubile, que je respecte, un sportif qui voulait me parler. Je l'ai reçu. Il me demandera le transfert de Ricky Toulengi à titre définitif. Or, j'attendais un autre transfert, quelqu'un qui l'avait sollicité, l'ancien joueur et international qui jouait à Monaco, je pense, notre ami Chabani Nonda, qui devrait avoir Ricky. Malheureusement, comme Chabani était organisé, il y avait un problème de son avocat qui n'était pas disposé. Et Santos s'est précipité. Nous avons eu langue avec Santos Mutubile. Il m'a dit, Dragon est en train de se faire noyer. Et moi, j'ai repris les choses. Je vais prendre cet enfant pour le faire voler à Dragon. Mais président, je te promets que cet enfant ne va pas jouer à Dragon. Je le fais passer seulement par Dragon, mais il va faire l'international. J'ai accepté. Et je lui ai parlé, il m'a demandé de faire un document. Et c'était le 23 octobre 2013, au mois d'octobre, que j'avais signé une autre convention pour Dragon. Les papiers sont là. C'est lui qui en a le contraire qui me l'amène. Je dis à Santos, il faut que je mette une clause pour que les clubs puissent en bénéficier. Santos me dira, il est en vie, il n'est pas mort. Non, président, ne mets pas la clause locale parce que le joueur sera transféré en Europe ou en Asie. J'ai accepté. Vous allez lire à l'article 4 de cette convention, en cas de transfert à l'étranger, le club cédant bénéficiera de 15% du montant du transfert. Article 5. Les 10% du joueur est à la charge du club bénéficiaire. Article 6. La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 23 octobre 2013. Aujourd'hui, Ricky est devenu joueur libre. Aujourd'hui, on est en train de me dire, lui-même, il déclare qu'il est joueur d'arc-en-ciel. Peu importe, je ne sais pas Dragon s'il l'avait transféré à arc-en-ciel. Et je me souviens, presque à 7 ans ici, arc-en-ciel semblait être non vivable, non viable, excusez-moi les termes, parce que Dragon
devraient jouer à la Linafoot. Je ne sais pas quand ils ont fait ces transferts en arc-en-ciel. Après, bon, je ne pouvais pas aller. Je vis l'enfant en train d'évoluer à Daring. Comme je n'avais pas une clause qui justifiait que je puisse aller discuter, j'attendais à ce que l'enfant sorte du pays. Après tout le temps, je ne sais pas, deux ou trois mandats temporaires que le joueur a fait à DSMP, et puis le joueur va se retrouver au Maroc, à Difa. J'ai attendu qu'on m'appelle, rien n'arrivait. J'ai attendu. Après, je suis allé à la fédération. Je suis en train de dire des choses vérifiables. C'est une mise au point, excusez-moi, cher ami. Je voulais qu'on puisse enlever l'équivoque. Et ce que je vous dis, personne ne va me contredire, parce que les preuves sont là. Je mène la décharge de Santos Mutubile, parce que le joueur... Vous allez comprendre, ce joueur Ricky, qui fait des millions aujourd'hui, je l'avais transféré au montant de 5 000 $. Et j'avais perçu 4 000 $ entre les mains de Santos Mutubile. Je m'étais, pour ne pas dire la scène qui s'est passée ce jour-là, par respect de M. Santos Mutubile. Je suis allé à la fédération, je ne veux pas citer les noms des autorités. Je suis allé voir les autorités pour me plaindre. Il y a d'autres qui m'ont conseillé d'écrire. Par respect des personnes, je n'ai pas voulu faire ça. Je me suis réservé. Mais une autorité me dira, non, mais il y a un conflit de partage. Tout le monde réclame qu'il est le joueur de tel. Mais la fédération a décidé à ce que ce transfert puisse être tombé dans le compte de la fédération pour que chacun de nous puisse se retrouver. Je vous dis des choses vraies et vérifiables. Je m'appelle Jeannot Binanou. Je suis père de plusieurs enfants. Je suis responsable des sociétés. Je suis chrétien. Et j'affirme. J'ai attendu, c'est le dimanche dernier ici, que je vais voir sur les images que Ricky a été encore transféré en international avec club. Cher ami, écoutez, nous prenons en charge cette jeunesse avec de petits moyens de bord que nous avons. Nous mettons un peu d'argent pour soutenir ces clubs. Je pense que vous qui me regardez, vous connaissez l'Athletic Club Kouya Sport. Ce n'est pas un petit club. C'est un club viable, qui a de bons athlètes. C'est un club qui ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que les gens doivent prendre conscience que les sentiments ne nous tuent pas, que les sentiments ne nous séparent pas. Personne ne va s'enrichir, même si le club a donné 100 000, même s'il a donné 500 000. Ça ne va pas nous enrichir jusqu'à notre mort. Que les gens puissent prendre conscience de ce qui se passe. La loi existe. Il n'y a pas un joueur libre. Tantôt là, je viens de suivre dans le Voice, Ricky dit que ses dirigeants de l'arc-en-ciel l'ont réclamé au Maroc, pour qu'il retourne ici. Tantôt, il dit que non, il était libre, et que Difa qui devrait le transférer. Mais il pouvait avoir un manager, cet enfant. Est-ce que vous ne pouvez pas l'aider? Mais qui est en train de tromper, qui est en train de casser l'avenir de cet enfant, qui est encore trop jeune, qui a le ballon au pied? Moi, je suis le père d'Eriki. Je ne ferai jamais du mal à cet enfant. Je vais dire un témoignage. Après avoir remporté le CHAN, Ricky est venu nous remercier, moi et ma famille.
il a donné une enveloppe à ma femme et il m'a donné une vareuse qu'il portait quand il jouait. C'était un signal fort pour cet enfant. Je l'avais béni. Je lui avais dit que tu vas aller loin. Mais qui est en train de briser le chemin de cet enfant? Je suis désolé. Les gens des dragons sont derrière cet enfant. Mais qui est en train de tromper cet enfant? Les gens qui attendaient le point de presse, excusez-moi. C'est une mise au point que je fais. Et ceux qui se sentent lésés, qu'ils me pardonnent. Mais j'ai dit ce que je pouvais dire. Je pense que la presse, l'opinion a compris. Je ne suis pas contre V-Club. V-Club, c'est mon club. Les dirigeants de V-Club savent ce que moi je fais de V-Club. J'étais un contribuable à V-Club. J'ai soutenu V-Club et les gens savent. Je ne ferai jamais du mal à V-Club. C'est mon club. Pardonnez-moi si je vous ai dérangé, mais ce que j'ai dit est vrai. Je veux revenir à mes droits. Je les réclame parce que j'ai mis de l'argent pour que Ricky, Sindani, Toulengui puisse être ce que vous l'avez vu aujourd'hui. Avec ses numéros de matricule qui ne changera jamais pour dire qu'il était libre. Numéro de licence COD 93-010-2003, sa première affiliation à la Fédération congolaise du football. J'ai dit. Merci.